Bernard Montiel aurait voulu que ce jour n'arrive jamais. Mercredi 9 mars 2022, il était présent en la basilique de Sainte-Clotilde, dans le 7e arrondissement à Paris, pour assister à l'hommage rendu à Jean-Pierre Pernaut, mort une semaine plus tôt. Juste avant d'entrer dans la basilique, il a répondu à quelques questions des journalistes présents sur place. Il a assuré qu'il était forcément très triste et qu'il n'arrivait pas à se faire à l'idée qu'il ne verrait plus l'ancien journaliste. Il était très fédérateur. Les gens l'aimaient et ils avaient raison de l'aimer. J'ai travaillé un peu avec lui. On apprend beaucoup avec des gens comme lui et il n'en reste pas beaucoup, a-t-il indiqué dans un premier temps avant d'assurer qu'il n'avait même pas envie de venir assister à cette cérémonie. Je suis très triste. Je ne voulais même pas venir. Si est-il toujours difficile, a-t-il ajouté alors qu'il avait craqué en direct dans Touche pas à mon poste, mercredi 2 mars 2022, en apprenant la mort de Jean-Pierre Pernaut. Quelques minutes plus tard, l'actuel complice de Cyril Hanouna a partagé une photo de l'intérieur de la basilique sur son compte Instagram. Un cliché déchirant qui montre le livret de la messe hommage du père de famille mort à l'âge de 71 ans. Bernard Montiel a partagé le livret de la messe hommage de Jean-Pierre Pernaut. Sur la première page du livret de messe, il y avait une photo en noir et blanc de Jean-Pierre Pernaut avec son année de naissance et celle de mort, 1950-2022. Une photo bouleversante qui rend encore plus vrai cette terrible disparition. Loading widget.